aujourd'hui j'ai reçu deux courriers, donc nous allons faire l'ouverture ensemble. Donc je sais que c'est des ouvertures pour le concours. Donc voilà la première enveloppe que j'ai reçue avec un beau papier à l'arrière et plein de jolies choses. Sur l'avant, une enveloppe bien décorée. Voilà, mais je ne peux pas tout vous montrer ce qu'il y a à mon adresse. Donc, elle me vient de la chaîne de bébé, de la chaîne Les Créatures de bébé. Je coupe bien nos bouts. Je dis toujours, je m'en répète, mais j'ai toujours peur de. Voilà. Alors, je suppose que ça, c'est sa carte. Alors, elle avait fermé l'enveloppe par un petit washi comme ceci. Enfin, deux washi. Alors, voilà sa jolie carte. Alors, elle est super jolie, très printanière. Voilà, avec des fleurs, des papillons sur un fond blanc collé sur une base de carte. Craft, comme ceci, donc elle a mis son petit mot à l'intérieur. Ici, elle a fait de la patouille qui est dorée, verte. Elle a mis des fleurs roses, des papillons qu'on avait à un moment donné chez Action. Je les aimais bien, ces petits papillons. D'ailleurs, j'en ai pratiquement plus. Voilà, avec des mini roses, des autres fleurs. Toutes les fleurs sont en résine. Et il y a des feuillages avec des découpes. Elle a mis des énamels d'hôtes comme ceci, rose et vert, transparente. Vraiment une très jolie carte printanière. Donc, je vais lire son mot pendant que je vous laisse regarder sa carte. Non, tu n'es pas hors délai puisque j'ai... De toute façon, comme tu m'avais averti que tu m'envoyais une chose, je t'aurais mis... Alors, elle m'a fait trois marque-pages, un qu'elle a décoré pour moi, et les deux autres, je te les laisse, je te laisse, non, je te les laisse, oui, je te laisse les décorer comme tu aimerais qu'ils le soient. Alors, ça a l'air d'être des marque-pages originaux, d'après ce que je comprends. Alors... Ici, il y a une petite pochette, comme ceci. Alors, oh, c'est super sympa! Alors, voilà, un marque-page tasse de thé avec le sachet de thé. Oh, c'est trop bien, ça! Miel citron, drink me, buvez-moi. Oh, c'est super bien. Ah, j'adore. Par contre, je vais mettre ton nom. Bébé. Je peux mettre bébé parce que... Bérangère l'autre, je ne l'appelle pas bébé. Avec, alors, reliés tous les deux par une petite... Ah, oh, ça, c'est une super idée. Avec un petit... Alors là, il y a une des mini-fleurs. Elle m'en avait envoyé des comme ça. Est-ce que vous les voyez bien? Et là, sous le Drink Me, avec des petites énamelles d'hôtes transparentes orangées, il y a des mini-fleurs comme ça, des découpes. Elles sont à peine visibles, elles sont toutes petites. Avec des petites énamelles d'hôtes vertes et elle a ancré tous les bords en rose avec un joli papier fleuri et à l'arrière, voilà, du papier vert comme cela. Alors, Bérangère, tu as le numéro 54. Alors, je mets bébé, les créatures de bébé, bon, parce que, pas confondre. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le 21-04. Voilà, et j'ai une autre pochette, alors elle m'a dit en organza, comme ceci, que je les décorerai à ma sauce.
Oh. J'ai du mal à les sortir. Voilà, donc elle m'en a fait deux autres comme ça. Ben, c'est une bonne idée, ça. Donc, en effet, je le ferai à ma sauce. Donc, elle m'a fait un verre comme ceci avec un papier. Les cœurs sont fleuris. Voilà, c'est des fleurs reliées entre elles qui forment le cœur. Voilà, avec toujours une petite cordelette blanche et or. Et l'autre, elle avait une tasse beaucoup plus basse. Voilà, ce sont des tulipes. Voilà, avec une tasse comme ceci. Ah, c'est super, j'adore l'idée. J'adore, j'adore. Très joli. Tiens, ben, si tu permets, tiens, ben, j'en enverrai un à ma fille. Je vais lui faire parce qu'elle aime le thé et je lui offrirai, tu permets, puisque tu m'as dit que je pouvais en faire ce que je voulais de cela. Donc, voilà, j'enverrai à ma fille. Donc, Bérangère. Voilà. C'est super, une super idée. Je suis vraiment super contente de ton... Voilà, encore un qui sort de l'ordinaire. La pochette, bah, pour l'instant, je vais tous les remettre dans les pochettes. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un autre courrier, donc là, on voit les timbres comme ceci, qui me vient de Dominique M. Alors, Dominique M, elle habite juste à côté d'où j'habitais, moi, avant de venir m'installer en Bretagne. Alors, nous allons découvrir ce que m'a fait Dominique. Alors, je fouille, parce que... Voilà, donc je devais déjà ouvrir, je ne sais pas si c'est la carte, ça. Oh. Très, très, très joli. Alors, le marque-page, il est là, donc on le regardera après. Voilà, c'est très joli, sa carte, je vous montre pourquoi, parce que, hop, le message, il est là. Ah, c'est bien, ça. Hein. Donc, en fait, c'est deux découpes qui se superposent, et sur la deuxième, elle a mis... Ah, j'aime beaucoup l'idée aussi. Ah bah, décidément, vous avez tous toutes des idées super originales. Alors, ouais, donc en fait, elle est faite comme ceci. Excellente idée. Idée à reprendre avec des feuillages, une autre découpe plus petite, une découpe encore plus petite, un papillon, des fleurs, je vais dire... Et l'intérieur, bon, il n'y a pas grand-chose à cacher, hein, le mot, ce n'est pas des mots secrets, mais bon. Ah oui, on attend ça, notre liberté, mais ça a l'air de se décanter. Peut-être que mi-mai, on pourra aller boire un café à l'extérieur, et s'il fait beau en terrasse. Quand je dis à l'extérieur, c'est à l'extérieur de chez nous. Alors, numéro 55. Dominique. Alors, je vais mettre ton nom de famille parce que... Où est l'enveloppe? Voilà. Le 21-4 aussi. Donc, Dominique, numéro 55. Donc, je vous remontre sa jolie carte. Donc, elle m'a fait un marque-page comme ceci. Alors, c'est vraiment très, très joli. Donc, c'est un fond qu'elle a fait elle-même. C'est embêtant. On a l'impression que vous ne voyez rien du tout. Voilà. Ça fait contre-jour. C'est un joli fond vert. C'est magnifique. Avec des découpes de coins vertes comme ça, un vert brillant. Il y a une découpe dans les tons marron sur du papier écriture et une jeune femme avec un chapeau assise, on dirait sur un siège, comme si elle était assise sur un siège avec un chapeau rouge. Pareil, elle a été faite dans un papier écriture. Est-ce que vous voyez? Donc c'est bien, la mytho, sa date du même mois que mon mari.
C'est très joli ton fond, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc le marque-page, la carte. Et là, elle m'a fait une pochette. Ah, j'adore. Anne-Marie, rue de l'Océan à Calac. Ah, j'aimerais bien habiter rue de l'Océan. Et là, alors là, c'est très joli. Elle a fermé le papier. J'adore le papier. Elle a fermé son enveloppe avec un cachet de cire. Oh, ça m'embête presque de défaire. Il est joli ton papier. Donc, c'est une pochette qu'elle a faite sur un fond noir. Donc, ici, le papier bah, avec la mer. Hein, elle a entouré comme ça avec du noir et des petits zigouigouis. Elle y a mis un timbre avec un beau voilier. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Et de l'autre côté, un papier avec des vélos, un vélo, du courrier, des cartes postales, papillons, des timbres poste, de l'écriture, des roses. Et ce joli. Voilà. Ah, bah c'est super. Voilà, je l'ai récupéré. Alors, on va ouvrir la petite pochette. Ah, bah c'est bien, c'est tout bien nous. Oh, c'est trop gentil. Elle a fait le style de pochette qu'avait fait bébé. Même moi, j'en avais fait aussi des comme ça, là, genre courrier. Là. Moi, j'avais mis la carte, mais bébé avait fait comme ça. Donc, j'ai deux sachets de thé. Alors, je vais les découvrir avec vous. Thé vert, fleur de jasmin. Donc, je sais déjà. Alors, il y a un petit nœud comme ça en résine. C'est très joli. Donc, c'est les deux marmottes. Alors, ça, c'est une bonne marque de thé. Ensuite, j'ai un thé Twinings Lady Grey. Donc, l'Earl Grey, c'est mon parfum de thé préféré. Ici, elle m'a mis un bonbon d'un, donc à prendre au petit goûter. Elle m'a mis deux badges, un moment unique, profiter ensemble. Ici, bon, j'ai du ruban en tissu métrique, là. Oh là là. Elle m'a mis des jolies choses comme ça en résine pour décorer. Ben dis donc, t'as chargé ton enveloppe. Hein. Voilà. Et elle m'a mis une petite pochette comme ça fleurie en organza avec des tamponnages. Oh, un joli tamponnage ourson, la famille ours. C'est trop joli. Donc, j'ai un tamponnage comme ça. Ourson là, c'est trop mignon ça, avec les petits oursons qui dépassent. Ici, elle m'a mis le temps d'une escapade, la mélodie du bonheur, au détour d'un chemin. Donc ça, c'est des mots, bon, c'est très bien pour mettre dans des albums. Et alors là, ah, ça j'adore. Dans notre maison, dire je t'aime, partager, rire beaucoup, faire ce que l'on aime, discuter, recevoir, croire. Faire de son mieux, se serrer les coudes, être heureux, ne jamais laisser tomber, avoir confiance en soi. C'est super gentil. J'adore. Et tu m'as bien gâté avec le thé et les petits bonbons. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Et puis, il y en a d'autres même dans l'enveloppe qu'elle a mise ici et que je peux récupérer. C'est très bien ces enveloppes. Cadeau comme ça. Hein. Je peux même récupérer. Elle avait mis un autre petit timbre comme ça que je peux récupérer. Voilà. En cire. Et dessus, ce sont des fleurs. Des feuillages de. Alors, je sais pas si c'est feuillage de lotus ou. Dirais ça. Hein, papyrus. Non, pas de papyrus. De lotus. On dirait. De toute façon, vous voyez mal, hein, parce que bon, ça fait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu mieux. Sinon, ça fait contre-jour. Je vais le remettre à l'intérieur, ainsi que les petits feuillages, pour ne rien perdre. Ouais, parce que moi, je peux les récupérer, ça. Hein. Donc, ici, là, c'est un petit renne sur l'autre, dans la forêt. Ouais, c'est très, très, très sympa. Vraiment très sympa. Voilà, donc
Voilà pour aujourd'hui. Donc, je répète. Le 54, bébé, Bérangère, des créatures de bébé. Et 55, de Dominique. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup à toutes les deux. Alors, genre une collection de fous. Le premier que j'ai reçu, c'est celui d'Hélène. Il ne quitte pas mon carnet. Voilà, j'adore celui d'Hélène, ce petit mini aussi comme ça, là. Donc voilà, il reste là jusqu'à la fin de mon concours. Donc, normalement, j'en attends, je crois, deux encore. Alors, est-ce que tout le monde sera au rendez-vous? Mais pour l'instant, on en est à 55 participations. Et ben, je dois vous dire que je suis vraiment super contente du nombre de participants. Le fait que ben, vous soyez nombreuses à avoir participé, ça me fait énormément plaisir. Hein. Donc, on ressort. Je vais vous ressortir le marque-page. Alors voilà celui de Bérangère. Voilà, très original avec son petit sachet de thé. Ça, c'est sûr que voilà, je vais faire en envoyer un à ma fille. Et là, le deuxième. Ah bah là, on le voit un peu mieux. Ah, je sais pas comment mettre. Voilà, comme ça, pour que vous puissiez voir le fond comme il est superbe. Il est vraiment superbe. En plus, tout dans mes couleurs avec le mousse smile. Voilà, t'es vraiment joli. Il brille. De mille feux. Et là, on a du mal, vous avez du mal à le voir, mais ça fait comme une espèce de toile d'araignée ici, en vert clair. Voilà. Bon, c'est assez moche parce que à la vidéo, ça rend pas ce que ça devrait rendre. Voilà. Donc, bah, écoutez, encore merci à toutes les deux. Merci à toutes et tous de suivre ce que. Bah, les vidéos de ce que m'envoient les copines, c'est super plaisant. Je range mon petit nœud là, on va pas le laisser surmonter et perdre avec le sachet. Voilà, je vais aller ranger tout ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.